Notre étude a démontré que le secteur belge de la construction a relativement bien résisté à la crise économique de ces dernières années, du fait de la bonne santé relative du marché immobilier, de la productivité du travail élevée dans le secteur, d'une forte dynamique sectorielle et sans oublier la réduction de la TVA dans le cadre du plan de relance de 2009-2010. Toch staat de concurrentiekracht van de sector onder druk met afnemende marges. Hierin verwachten we weinig verandering door beperkte economische groei de komende jaren. Als arbeidsintensieve sector heeft de Belgische bouw ook meer te lijden onder hoge loonkosten, waarbij we tot de Europese top behoren. Bovendien is de loonkloof met onze directe buurlanden er de voorbije acht jaar alleen maar op toegenomen. étrangère Le nombre d'ouvriers détachés par des entreprises étrangères sur des chantiers belges a doublé depuis 2007 et représente déjà 10% des effectifs totaux du secteur belge. On estime par ailleurs que le phénomène va se poursuivre dans les cinq années à venir. L'impact sur les entreprises est substantiel. En 2013, quatre entreprises sur cinq déclarent avoir perdu du chiffre d'affaires et une entreprise sur cinq a dû licencier du personnel. Van concurrentie. Een vier, nu de appel étrangers om te Het is evident dat de Belgische aannemers wakker liggen van deze structurele veranderingen ten gevolge van de toegenomen buitenlandse concurrentie en van de hoge loonkosten. Twee elementen die hun concurrentiekracht de komende jaren zullen bepalen.